Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
Bienvenue à tous nos amis dans le monde entier. Bienvenue encore une fois à Kourou, le berceau de la famille Ariane, pour la diffusion en direct du vol Ariane 246. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce lancement international au profit de deux amis de longue date, l'Inde et la Corée. En ce moment même, ici, au centre spatial guyanais, mais également en Europe et en Asie, les équipes se préparent. Nous sommes prêts pour le lancement qui aura lieu dans moins d'un quart d'heure. Nous sommes comme toujours en direct du centre de contrôle Jupiter, le centre névralgique du centre spatial guyanais ici à Kourou. Passons maintenant à l'extérieur pour voir le lanceur de plus près. Ariane 5 est le lanceur phare de la famille Ariane. Il est conçu pour emporter les satellites les plus lourds et, comme ce soir, pour les lancements doubles. Si vous ne connaissez pas bien le lanceur, sachez qu'il mesure 54 mètres de hauteur, qu'il est composé de deux parties que l'on appelle les composites. Le composite inférieur comprend l'étage principal et les deux EAP, et le composite supérieur comprend les deux satellites et la case à équipement. Nous voyons les deux satellites à l'écran. Le satellite le plus lourd est en général séparé en premier. Ce soir, il s'agira de GSAT 11 et en position basse, GEOCOMSAT 2A, qui sera séparé 33 minutes après le décollage. Comme toujours, le président exécutif d'Ariane Espace, Stéphane Israël, est avec nous ce soir. Deux questions pour vous. Le vol Ariane 246 est la 102e Ariane 5. Parlez-nous de ce lancement. C'est très spécial parce que ce soir, nous avons deux grandes agences, deux grands clients d'Ariane Espace à bord. Il y a l'ISRO, ce sera le 22e satellite que nous lancerons pour l'ISRO. Et puis le CARI, l'agence coréenne, c'est le deuxième satellite que nous lançons pour le CARI. Et il y en aura un autre l'an prochain. Ariane 5 va mettre sur orbite géostationnaire deux satellites télécom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mission ? Alors oui, nous avons mené toutes les opérations finales ces derniers temps, juste avant le lancement. Comme vous voyez, tout est au vert sur le panneau des verts derrière moi. La météo est correcte, donc là, 7 minutes avant le lancement, il y aura la séquence synchronisée. Le décollage aura lieu 7 secondes après l'allumage du Vulcain. On se dirigera vers l'est et la durée de la mission sera un peu supérieure à 30 minutes. D'abord, on va séparer GSAT 11 et ensuite GEOCOMSAT 2A. Et je suis sûr que ce sera un lancement magnifique. Encore un exemple des performances d'Ariane Espace au profit des citoyens. Certainement, GSAT 11 apportera des communications en Inde et GEOCOMSAT est là pour surveiller l'environnement et la météo. Donc, il s'agit d'améliorer la vie sur Terre grâce à l'espace. Merci, Stéphane Israël. Stéphane Israël va retourner travailler derrière moi dans le bocal. Le bocal, c'est là où se trouvent les opérationnels, les équipes d'Ariane Espace et les équipes du CNES. Ainsi que les équipes de l'Agence spatiale européenne qui travaillent tous ensemble. Les clients s'y trouvent également. La chronologie finale se déroule sans encombre. Il reste un peu plus de 10 minutes avant le lancement de GSAT 11 et GEOCOMSAT 2A. D'après les experts, la chronologie finale représente le moment le plus intense de la campagne de lancement. Une campagne qui dure à peu près 6 semaines. Les satellites arrivent de leurs pays respectifs, puis ils sont transférés aux ensembles de préparation, ils sont vérifiés pour s'assurer que tout va bien. Et cela prend à peu près 6 semaines. Et c'est vrai en particulier ici à Jupiter, où les opérationnels reçoivent un flux continu d'informations durant la chronologie. Ces informations proviennent d'un peu partout, de la base, dans le fishbowl, le bocal, où Stéphane Israël se rend. La fenêtre de tir ce soir est de presque 2 heures. C'est un petit peu plus long que d'habitude. Donc nous avons le temps. La durée totale de la mission est d'un peu moins d'une heure. C'est une durée relativement standard pour un vol Ariane. Découvrons maintenant ensemble la mission de ce soir. Vous saurez ainsi quoi observer précisément. L'étage principal et les deux EAP seront allumés lors du décollage.
décollage. Et vous verrez le lanceur s'élever pendant plusieurs secondes avant de partir légèrement vers l'est pour suivre sa trajectoire au-dessus de l'Atlantique. Les boosters seront largués au bout de 2 minutes lorsqu'ils ont épuisé le carburant. L'étage principal continue à fonctionner. 1 minute plus tard, la coiffe est larguée à une altitude de 200 km. 6 minutes 30 plus tard, l'étage principal termine sa mission, s'éteint et est largué à son tour. L'étage supérieur s'allume à ce moment-là. Et le passager en position haute, GSAT-11, sera séparé 29 minutes après le décollage. Il est tenu par une structure noire qui s'appelle le SILDA, qui n'est plus nécessaire. Et pour finir, le deuxième satellite, GEOCOMSAT 2A, est séparé 33 minutes après le décollage et la mission d'Ariane 5 est terminée. 8 minutes 30 avant le sixième lancement Ariane 5 de l'année, le lanceur attend son grand moment sur le pad de tir. Et ici, à Jupiter, vous voyez quelques-uns des acteurs clés de la mission de ce soir. Il s'agit de la cellule de vol d'Ariane Espace, à sa tête Stéphane Israël, que vous venez de voir, à ses côtés Roland Lagier, le directeur technique. Ce sont eux qui prennent les décisions en cas d'imprévu, avant ou pendant la mission, et vous les verrez très probablement au téléphone avec leurs équipes, ici à Kourou ou en Europe. Parlons maintenant de la météo. Bon, cette semaine a été plutôt ensoleillée, avec quelques averses. Ariane 5 peut décoller sous la pluie, ce n'est pas un problème. Les vents d'altitude peuvent être plus problématiques, mais a priori, ça devrait bien se passer ce soir. Il y a quelques nuages, mais nous espérons que la visibilité ne sera pas trop mauvaise et peut-être que l'on pourra voir la séparation des EAP à l'œil nu. Deux autres personnes que l'on verra très fréquemment aujourd'hui, le directeur de mission d'Ariane Espace, qui travaille avec la directrice des opérations du CNES, directrice des opérations également appelée la DDO. Ce soir, c'est Fleur Lefebvre que vous entendrez beaucoup. C'est elle qui fait toutes les annonces clés durant la chronologie et le vol. Et elle va bientôt annoncer les 7 minutes avant le lancement. Attention pour la séquence finale lanceur. Top H0, moins 7 minutes. Nous sommes entrés en séquence synchronisée ou automatique. Il représente les derniers moments de la chronologie finale. Le lanceur devient progressivement autonome. Regardons maintenant le panneau des verts à droite de l'écran. Il s'agit d'un résumé en temps réel des différents services de lancement. Tout est vert. Regardons ensemble maintenant un film sur la campagne de lancement qui vous montrera la préparation d'Ariane 5. Nous sommes dans la phase finale de la campagne de lancement VA-246 qui a commencé il y a environ un mois et demi. GEOCOMSAT 2A est arrivé à l'aéroport Félix Éboué le samedi 20 octobre dans un Antonov. Le satellite et les équipements associés ont été transportés aux installations S5C le même jour. Au S5C, le satellite a été déconditionné et installé dans la salle blanche, après quoi il a été soumis à des vérifications électriques poussées. Le système de propulsion a aussi été soigneusement vérifié avant de commencer à préparer le remplissage. Un test de compatibilité a aussi été effectué pendant cette phase de préparation, afin de vérifier les interfaces entre le satellite et les éléments du lanceur. Comme le satellite embarque une charge utile très sensible, un système de purge à l'azote a été mis en œuvre, ce qui permet de garder la caméra extrêmement propre jusqu'au lancement. Le 10 novembre, le satellite GEOCOMSAT 2A a été transféré dans le hall de remplissage. Le remplissage en Biergol, MON et MMH s'est passé entre le 13 et le 16 novembre. GSAT-11 est arrivé à son tour le vendredi 26 octobre à l'aéroport de Cayenne, lui aussi en Antonov. Le transport du satellite à l'ensemble S5C a eu lieu immédiatement après. Le déconditionnement du satellite et son transfert en salle blanche ont eu lieu le lendemain. Le satellite GSAT-11 a été soumis à une série de tests électriques et le système de propulsion a été soigneusement vérifié. Le 7 novembre, le satellite GSAT-11 a été transféré au hall de remplissage S5B. Les pleins de MON et MMH se sont déroulés entre le 10 et le 14 novembre. Les activités d'intégration lanceur ont commencé par le déchargement et la mise à la verticale de l'étage principal cryotechnique au bâtiment d'intégration lanceur, suivi par l'arrivée des deux EAP et de l'étage supérieur cryotechnique avec sa case à avionique.
Après 17 jours d'assemblage mécanique et de contrôle de l'avionique et des fluides, le lanceur était prêt le 15 novembre pour être transféré au bâtiment d'assemblage final, appelé aussi le BAF, pour une phase de préparation de 12 jours. La phase d'opération combinée a commencé le samedi 17 novembre avec l'intégration de GSAT-11 sur son adaptateur de vol. Après cela, le satellite a été transféré au bâtiment d'assemblage final dans le conteneur CCU-3. C'est là qu'on a intégré le satellite en position haute sur le SILDA. GEOCOMSAT 2A a été intégré sur son adaptateur de vol le mercredi 21 novembre et transféré au bâtiment d'assemblage final le lendemain dans le conteneur CCU-2. Le satellite coréen GEOCOMSAT 2A et le satellite indien GSAT-11 ont été placés sur le lanceur les 22 et 23 novembre. Hier, le lanceur et sa table ont été transférés du BAF en zone de lancement pour une journée très chargée de préparation finale. Aujourd'hui, nous entrons en chronologie finale, le jour J pour VA-246. Les opérations ont commencé ce matin à l'aube et se termineront ce soir sur un spectacle fantastique. Soyez prêts pour la dernière Ariane 5 de l'année. Nous sommes prêts pour le 10e lancement de l'année, la 6e Ariane 5 de 2018, et c'est aussi l'avant-dernier lancement de l'année. Il y a environ 1700 personnes qui travaillent ici au Centre spatial guyanais. Nos caméras se trouvent actuellement à Jupiter, mais il y a de nombreux autres sites sur la base, comme par exemple le Centre de lancement, ou CDL, où les équipes chargées du lancement travaillent sous la direction du chef du complexe de lancement. Ce soir, Frédéric Fakin. Ils ont déjà effectué leur travail dans la journée et étant donné que nous sommes en séquence automatique, ils sont comme nous, ils attendent. Le travail est effectué par deux équipes au CDL. L'une est responsable de la chronologie de vol et l'autre de l'aptitude au vol du lanceur. Ce deuxième groupe est dirigé par David Iranzo, le chef de production. Le chef des opérations dirige le groupe chargé de l'exécution de la chronologie. Il se coordonne, le chef des opérations se coordonne avec le contrôle de mission pour autoriser le lancement lorsque tout est au vert, quand toutes les conditions sont réunies. Il reste un peu moins de 2 minutes. Nous l'avons dit auparavant, la chronologie finale est un processus complexe et long. Elle a commencé à 6h14 ce matin. Et vous voyez à l'écran les bras cryo qui se trouvent au milieu du lanceur, avec l'oxygène liquide à droite et l'hydrogène liquide à gauche. Ils alimentent les réservoirs des étages en ergol cryo. Et vous verrez ces bras se replier 7 secondes avant le lancement. C'est une des dernières choses que l'on voit juste avant le lancement. Vous les voyez ici au milieu de l'écran, les barres jaunes. Nous nous rapprochons de la dernière minute. Vous voyez des images de drones ici au-dessus de Jupiter qui vous montrent une des terrasses. Il y a 2 terrasses de chaque côté du bâtiment. The VIPs go to watch the liftoff. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. DDO is going to call out the 1 minute mark. Vous avez entendu la DDO. Top H0, moins 1 minute. And we are into the final 60 seconds. Vous avez entendu la DDO annoncer la dernière minute avant le lancement. Cela nous donne l'occasion de dire bonjour à nos amis de l'ISRO à Bangalore, nos amis de GEOCOMSAT et CARI en Corée, à Daejeon, ici en Guyane, aussi de Kourou, Sinnamary et Cayenne, à nos partenaires industriels, l'ESA et le CNES, et à vous tous qui nous suivez sur Internet. Profitez bien du spectacle. Nous allons vous laisser écouter la DDO pour le décompte final. Soyez attentifs au repli des bras cryogéniques juste avant le lancement. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcan. Allumage des 2 EAP et décollage Ariane 246 avec GSAT-11 et GEOCOMSAT 2A.
La visibilité était bien meilleure que ce que l'on aurait pu espérer. Et la trajectoire est nominale. Et vous avez vu Ariane 5 s'élever pile à l'heure. Elle a décollé de la Guyane dans un nuage de feu avec à bord deux nouveaux satellites. C'est toujours très très impressionnant. Les deux EAB fournissent 90% de la poussée pour propulser le lanceur le long de sa trajectoire. La masse au décollage, 776 tonnes. Alors pour faire décoller une masse pareille, il faut énormément de poussée. Le lanceur consomme 5 tonnes de carburant par seconde, c'est 2,5 tonnes dans chaque EAP. Et l'étage principal en consomme 300 kg par seconde. Vous avez entendu la DDO dire que tout va bien. Et de très belles images du lanceur qui se dirige vers l'Atlantique à l'est. Ariane 5 suit le programme de l'ordinateur de bord qui donne tous les ordres, y compris les séparations d'étages auxquelles nous allons assister très prochainement. La trajectoire est nominale et le pilotage est calme. Nous sommes dans la première des quatre phases de vol et nous parlerons de chacune de ces phases en détail pour que vous puissiez suivre le lanceur au-dessus de l'Atlantique. Nous avons trois phases propulsées, une balistique. Actuellement, nous sommes en première phase de vol avec le moteur de l'étage principal et les deux EAP qui fonctionnent. Les EAP vont utiliser leurs 240 tonnes de carburant en à peine plus de 2 minutes et ils s'éteindront les premiers. Vous entendrez la DDO l'annoncer. Séparation des deux EAP, voilà, vous le voyez, la trajectoire est nominale. Vous voyez le point blanc au milieu, ça c'est le lanceur et les deux lumières oranges de chaque côté, ce sont les deux EAP qui se détachent. Vous avez vu les images de caméras embarquées. Cette première phase de vol utilise deux types de vol. La propulsion de l'étage principal cryotechnique est nominale. Et stockable. Nous attendons la séparation de la coiffe. En bas de l'écran, vous voyez l'altitude. En bas à gauche, l'altitude, donc 104 km. Et à droite, la vitesse. Nous attendons la séparation de la coiffe. Et séparation coiffe. La séparation est déclenchée par deux dispositifs pyrotechniques avec une explosion complètement maîtrisée. Il y a une autre partie de coiffe qui se détache que l'on n'a pas vue à l'écran. Et nous pouvons larguer la coiffe maintenant car nous sommes sortis des zones les plus denses de l'atmosphère. À plus de 100 km d'altitude, il n'y a plus de frottement ou d'échauffement qui pourrait perturber les passagers. Le principe est également de se débarrasser de tout poids mort. Donc la coiffe pèse 2,5 tonnes. Ariane 5 est le lanceur lourd. Les deux autres membres de la famille sont Soyuz pour les charges utiles moyennes de 2 à 3 tonnes et Vega, le lanceur léger pour les missions d'une tonne environ. Avec sa famille de lanceurs, Ariane Espace est la référence du secteur spatial capable de mettre en orbite toutes les masses sur toutes les orbites à tout moment. Ariane Espace participe à l'effort spatial européen aux côtés de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et du CNES. Et la trajectoire est nominale. Ils sont tous ici ce soir avec les clients. Ariane Espace est chargé d'exploiter la famille de lanceurs et de commercialiser les services et le programme Ariane. L'ESA finance les nouveaux programmes et le CNES est chargé de coordonner les opérations de la base spatiale. Depuis octobre, au CSG, on lance deux fois par mois, tous les 15 jours. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Le centre spatial est le centre de préparation des charges utiles et le centre spatial guyanais est véritablement exceptionnel dans le monde. Vous voyez à l'écran quatre noms, Galio, Natal, Ascension, Libreville. Ce sont les stations de télémesure. Et on en reparlera un peu plus tard. Regardons un film sur la communauté des villes Ariane.
soir, nous sommes réunis pour le cinquième lancement de l'année Ariane 5 et avec un lanceur emblématique à travers justement le logo qui figure sur le lanceur, qui est le logo de la ville des Mureaux au titre de la présidence de la communauté des villes Ariane 2018. L'établissement des Mureaux et la ville, c'est une histoire qui date de plus de 100 ans. C'était aussi cette année une opportunité pour toucher un public beaucoup plus large, faire connaître nos activités spatiales et vulgariser l'application de nos activités au quotidien. Pour ce lancement d'Ariane 5, pour la ville des Mureaux, c'est un grand jour, car nous serons présents sur la coiffe. C'est vrai que les Mureaux est une ville de l'air et de l'espace. Depuis Diamant jusqu'à Ariane 5 aujourd'hui, demain Ariane 6, il est évident que notre ville, son histoire, a été vraiment inscrite avec le spatial. Et pour nous, c'est un grand jour. Et je tiens à remercier l'ensemble des industriels, l'ensemble des partenaires sur Ariane 5, que ce soit le CNES, l'ESA, Ariane Group, Ariane Space. Et puis c'est vrai que depuis cette année, nous nous disons que nous sommes avant tout des Murionautes, et je crois que en voyant tous ceux et toutes celles qui sont venus, de propulsion les astronautes, tous les grands de ce monde spatial, les Mureaux est une ville de l'espace, et bon vent à ce nouvel Ariane 5, et surtout, j'espère beaucoup qu'Ariane 6 va être un très grand du spatial dans les années 2020-2030. Vive Ariane, vive toutes les villes d'Ariane, et surtout, vive les Mureaux et tous les Murionautes. Les Mureaux, une ville proche de Paris qui joue un rôle essentiel dans le programme Ariane. Nous sommes dans la deuxième phase de vol propulsé. C'est le moteur de l'étage principal qui fournit la propulsion pendant encore environ une minute. Durant le film, il y a eu acquisition par la première station de télémesure, Natal, que vous voyez au milieu de l'écran, qui se trouve très près d'ici, au Brésil. C'est le ministère de la Défense qui exploite cette station pour le CNES en accord avec l'ESA. Cette station assiste à l'extinction et à la séparation de l'étage principal. Dans une minute, il y aura séparation de l'étage principal. Toute la trajectoire d'Ariane 5 est conçue pour être suivie à partir du sol. Acquisition de la télémesure lanceur par la station de Natal au Brésil. Le lanceur envoie des informations radar et des informations de télémesure. Il s'agit de données sur l'état du lanceur, des informations sur plus de 1500 paramètres qui sont collectés et qui sont envoyés chaque seconde aux stations sol. Les stations enregistrent toutes ces fonctions du lanceur tout au long du lancement. Les clients obtiennent ainsi des informations immédiates sur le satellite, c'est important. Certaines de ces données sont analysées en temps réel et les autres sont étudiées après le vol pour analyser les performances du lanceur. Séparation EPC. Vous avez vu ici la séparation de l'étage principal et l'allumage de l'étage supérieur. Allumage de l'étage supérieur cryotechnique. Vous avez vu l'étage principal se séparer et il retombera dans l'Atlantique au large du golfe de Guinée. Nous arrivons dans la troisième et dernière phase de vol propulsé. Le moteur de l'ESC va fonctionner jusqu'à 25 minutes après le lancement, c'est-à-dire pendant environ 16 minutes. La mission de cet étage supérieur est d'emmener les satellites à leur point d'injection, les positionner pour la séparation et les séparer. Tous les paramètres à bord sont normaux. Et maintenant, découvrons ensemble GSAT-11. Ariane VA246 devra mettre en orbite GSAT-11, le plus lourd satellite de télécommunication jamais construit par l'ISRO. Sa masse au décollage est de 5854 kg et il produira une capacité en haute bande passante pour servir l'Inde et de se faire réduire la fracture numérique, en particulier dans les régions rurales et reculées. La société Ariane Espace est très fière d'avoir été choisie pour le premier lancement de cette nouvelle plateforme, ISISCA, développée par l'ISRO depuis le centre de l'URSC à Bangalore. Souhaitons bonne chance à GSAT-11 et aux équipes de l'ISRO impliquées dans les opérations de lancement et d'orbite initiale depuis la station de contrôle de Hassan, en Inde.
Arianespace continue de réunir l'Europe et l'Asie grâce au lancement de ce soir. L'organisation de recherche spatiale indienne, l'ISRO, a un rôle très important pour le pays. Elle met la technologie spatiale au service du développement, elle mène des recherches en sciences spatiales et en exploration planétaire. L'ISRO mène des missions dans tous les domaines spatiaux, la navigation, l'observation terrestre, les télécommunications. Reparlons de GSAT-11. The Indian Space Research Organization, ISRO, has played a significant role in establishing a strong communication infrastructure within the country. Today, it is estimated that internet users in India have nearly reached 450 million. Considering India's highly diverse geophysical and climatic features, the provision of broadband connectivity to every part of this vast country through satellites has become a necessity. In today's world, satellite-based broadband connectivity that combines voice, data, and video streaming holds immense potential and will be a game changer. GSAT-11 spacecraft is an advanced communication satellite providing high-throughput payloads in Ku-Ga bands. It is the largest and heaviest satellite ever built by ISRO. This satellite will meet most of the requirements of providing broadband connectivity to rural and inaccessible Gram Panchayats under BharatNet project, which is part of the Digital India program initiative of Government of India. With India moving fast to implement the concept of smart villages and cities, they can be efficiently linked through a large communication satellite. GSAT-11, weighing about 5,854 kg, is a multi-spot beam satellite providing coverage of Indian mainland and nearby islands. GSAT-11 is the heaviest satellite built by ISRO with the largest solar panels and payload panels. This satellite is also configured with maximum communication antenna, 5 numbers, in inside GSAT family of satellites. It has mission life of about 15 years. It will enable broadband, telecommunication, and multimedia solutions to households, businesses, and public organizations. The satellite will also enable next-generation applications such as in-flight connectivity. It is India's first large high-throughput satellite and is configured on ISRO's newly developed I-6K bus. GSAT-11 satellite bus is very versatile with separate modules like mainframe system, payload systems and propulsion systems, providing high level of flexibility and ease in assembly and checkout operations. It is capable of supporting a liftoff mass of up to 6 tons. The I-6K bus also has a capacity to generate and handle up to 20 kilowatt of power. The payload has around 600 subsystems. Nearly 90% of the hardware has been realized in India with extensive participation of the industry. Most of the hardware is miniaturized using advanced MMIC technologies. For the first time, multi-port amplifier is used for power sharing across the beams under varying service demands. GSAT-11 will be located at 74 degrees east with a multi-spot beam antenna coverage. It will generate 32 user spot beams in Ku band, 16 each in both vertical and horizontal polarizations, covering Indian mainland as well as islands. This will also generate 8 hub beams, 4 in each polarization, operating in Ka band frequencies. The 4 ground gateways or hubs located in different regions will connect the satellite to the users.
All the hub stations, in turn, are connected to each other via optical fiber network, thus creating seamless connectivity. The satellite will provide a throughput of 16 gigabits per second through 32 narrow user beams for supporting high data rate services across the country. As the high throughput technology and use of Ka band is being introduced in the country for the first time through indigenous satellites, the associated ground hardware are being established by ISRO. The satellite has completed the launch campaign activities and is ready for launch onboard Ariane 5 launch vehicle. GSAT 11 is all set to begin its journey to space in the European Ariane 5 launch vehicle from Kourou, French Guiana. After reaching the preliminary geosynchronous transfer orbit onboard Ariane 5, the satellite will be taken to its final geostationary orbital location by firing its propulsion system instead. Once this big bird reaches the final orbit, satellite-based broadband services will become a reality. Agir maintenant. Arianespace est fier d'avoir été retenu par l'Institut CARI pour lancer les deux satellites du programme GEOCOMSAT 2. Composé des satellites GK2A et GK2B, un programme national important du gouvernement coréen. GEOCOMSAT 2A est le premier satellite géostationnaire développé sous l'entière responsabilité du CARI à être lancé après le programme COMS lancé en 2010. Le satellite GEOCOMSAT 2A sera entièrement dédié à des missions de surveillance météorologique et spatiale avec deux charges utiles importantes à bord. AMI, imageur météorologique avancé, et KSEM, surveillance environnementale spatiale coréenne. ArianeSpace est un principal partenaire du programme spatial du gouvernement coréen. ArianeSpace a lancé d'abord KITSAT 1A en 1992 sur le vol 52. Sur un Ariane 4, le vol Topex Poséidon, si vous vous en souvenez, il pesait seulement 46 kg. Puis en 2015, la CARI a choisi ArianeSpace pour lancer GEOCOMSAT 2A et 2B. COMSAT, si vous vous demandez, en anglais, ça veut dire satellite polyvalent coréen. Il permettra au pays de tirer parti des systèmes d'information géographique. Deuxième film maintenant sur le deuxième passager concernant le maître d'œuvre, le CARI. Propulsion de l'étage supérieur cryotechnique.
reste 4 minutes de propulsion de SCA. La propulsion est nominale. Nous venons d'être acquis, le signal vient d'être acquis par la prochaine station de poursuite à Val, cette fois à Malindi, sur la côte est de l'Afrique, au Kenya. Pendant ce temps, il reste encore 2 minutes de fonctionnement de l'ESC, extinction prévue à H+25.05. Le CARI, l'Institut coréen de recherche aérospatiale, a été fondé en 1989. L'ISRO, l'Organisation indienne de recherche spatiale, a été fondée en 1969. Ces deux groupes célébreront leur anniversaire l'an prochain. Maintenant, regardons la relation entre GeoCompSat et ArianeSpace. Le satellite GK2A, conçu par l'Institut CARI de Corée du Sud, se situera à une position orbitale de 128 degrés 2 est et aura une durée de vie de 10 ans. Je souhaiterais remercier toutes les équipes qui ont été impliquées dans ce programme. Premièrement, bien sûr, notre client, le CARI, qui a toujours compté sur ArianeSpace avec un travail d'équipe efficace pendant tout le programme. Les approches constructives et les optimisations ont toujours été partagées et favorisées entre les équipes projet. C'était un facteur essentiel dans cette campagne de lancement, fluide et efficace. Le panneau solaire de GK2A sera déployé entièrement dans la prochaine heure, suivant la séparation du satellite. Ensuite, le satellite GK2A se déplacera vers sa position orbitale de 128,2 degrés est en passant par l'orbite de transfert. Et nous nous approchons de l'extinction de l'ESC dans environ 30 secondes. Quelques chiffres, ce lancement est la 304e mission effectuée par la famille de lanceurs Ariane. GSAT-11 et GeoCompSat-2A sont les 589e et 590e satellites lancés par ArianeSpace et le 209e et 210e à être lancés sur une Ariane 5. Masse totale des deux passagers aujourd'hui, 10 tonnes. GSAT-11 a une durée de vie de 15 ans et GeoCompSat de 10 ans. Ariane 5 a atteint sa vitesse maximale, vous le voyez en bas à droite, 9,3 km par seconde avec l'extinction de la poussée de l'ESC. Vous verrez la vitesse commencer à chuter alors que nous passons à cette nouvelle phase de croisière. C'est ce qu'on appelle aussi la phase balistique, c'est la dernière phase de vol et la seule à ne pas être propulsée. On a dit qu'Ariane avait atteint sa vitesse maximale. Début de la manœuvre d'orientation au profit de GSAT-11. Vous commencez à la voir à ralentir. On est déjà descendu à 9,26. Dans 8 minutes, quand on aura la séparation de GSAT-11 à H+29.07, sa vitesse sera de 8,7 km par seconde. Quand elle libérera le SILDA, la structure porteuse pour le second passager, la vitesse sera de 8,3 km par seconde. Ce sera à H+31.48. Et enfin, quand elle sépare GeoCompSat 2A à H+33.39, sa vitesse aura baissé à 8,1 km par seconde.
Nos clients ce soir sont de vieux amis et partenaires d'Arianespace avec une relation déjà de longue date. Presque 30 ans entre Arianespace et les Coréens. Prochain film maintenant, la relation entre GSAT-11 et Arianespace. GSAT-11 lancera une révolution dans les communications spatiales en Inde. Développé selon un principe de réutilisation des fréquences, il créera énormément de bandes passantes dans l'espace pour lancer le programme Inde numérique, connecter les Gram Panchayat et développer les services haut débit satellitaires dans les zones reculées du pays. GSAT-11 est le 22e satellite de l'ISRO lancé par Arianespace. Notre collaboration avec l'Organisation indienne pour l'espace et la recherche remonte à 1981 avec le lancement du satellite Apple par le vol Ariane L03. La campagne de lancement à Kourou s'est passée extrêmement bien, grâce au soutien professionnel des équipes d'Arianespace et du CNES. L'équipe post-lancement de l'ISRO au MCF Hassan effectuera les manœuvres de rehaussement d'orbite, de déploiement des panneaux solaires et des antennes et les essais à poste avant que GSAT-11 soit déclaré opérationnel. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir au CSG nos amis indiens avec qui nous entretenons une relation d'amitié depuis de longues années. Encore quelques minutes à attendre avant la séparation du premier passager GSAT-11. GSAT-11 est le 22e satellite de l'ISRO à être lancé par Arianespace. C'est aussi le satellite le plus lourd de l'ISRO jusqu'à ce jour. C'est pour cela que c'est le premier satellite de l'ISRO à être installé en position haute sur Ariane. Deux autres satellites de l'ISRO sont dans le carnet de commandes d'Arianespace. GSAT-30 et 31, ce seront les 23e et 24e satellites de l'ISRO à être lancé par Arianespace et tous les deux sont prévus pour l'an prochain, je crois. Plus qu'une minute avant la séparation. GSAT-11 est arrivé en Guyane le 26 octobre pour commencer ses vérifications à l'EPCU, l'ensemble de préparation des charges utiles. Cela prend environ un mois. GEOCOMSAT-2A est arrivé en Guyane le 20 octobre et est allé directement à l'EPCU pour ses vérifications. Et maintenant, nous attendons la confirmation par la DDO de la séparation du passager O. Dans 20 secondes à peu près, vous voyez GSAT-11 à gauche de l'écran. C'est cette structure dorée. En dessous, il y a la structure noire en forme de cloche, qui est la structure porteuse pour le deuxième passager. C'est toujours un moment de forte concentration. Les équipes sont déjà passées par ces procédures, mais il faut énormément de concentration, comme je le disais. On ne voudrait pas dire qu'elles sont concentrées, qu'elles sont tendues, séparation, mais en tout cas, elles sont bien concentrées. GSAT-11. Et voilà, la DDO a confirmé la séparation de notre premier passager. Vous voyez les sourires de la délégation de l'ISRO. On voit que, de façon très polie, dans l'assistance, on retient ses applaudissements. Du système de lancement double Ariane Silda. Parce que la mission n'est pas terminée, il faut encore séparer notre dernier passager, GEOCOMSAT-2A. Nous sommes toujours dans la phase balistique. La dernière phase de la mission, il reste 4 minutes avant la séparation de notre deuxième passager. Vous voyez que GSAT-11 commence à prendre vie, s'éloigne du composite supérieur, en tout cas ce qu'il en reste. Il faut séparer les deux satellites et le SILDA dans trois directions différentes, mais aussi à trois altitudes différentes. GSAT-11 s'est séparé à environ 1300 km et le SILDA sera largué à environ 1900 km et GEOCOMSAT environ 2300 km pour éviter les risques de collision dans des directions différentes. Donc, en choisissant une base spatiale, les Européens voulaient un lieu entouré de collines pour pouvoir installer la réception de télémesures. C'est le CVI, le Centre de contrôle visuel immédiat, qui est sur une colline juste derrière nous, ici, à Jupiter. Ces équipes ont tous les moyens pour recevoir, traiter, stocker et analyser les données transmises par les stations au sol le long de la trajectoire d'Ariane. On en a déjà parlé, ces stations de poursuite. Mais là, les équipes suivent toutes les données principales du vol et renvoie le statut du vol aux équipes ici à Jupiter. Les annonces que vous entendez faites par la DDO viennent du CVI. Les informations du lanceur passent par eux et ensuite ils les relaient à Jupiter mais aussi à la cellule de vol qu'on a vue tout à l'heure et aussi au directeur des opérations de l'ensemble de vol.
Ça fait tout partie du grand flux d'informations. On attend maintenant la séparation du Silda d'environ 30 secondes, puis la séparation du deuxième passager 2 minutes plus tard. Fin de la manœuvre d'orientation, profit de la séparation du système de lancement de double Ariane. GeoComSat 2A est le septième satellite sud-coréen. Le programme GeoComSat 2 comprend un binôme de satellites 2A-2B. C'est un programme national d'État visant à développer et exploiter 2 satellites civils géostationnaires. On attend la confirmation de la séparation du Silda. Ça, c'est leur prévu de séparation. Du Silda, système de lancement double Ariane. Et la DDO vient de le confirmer. On peut voir se révéler le deuxième passager qui devrait se séparer dans quelques minutes. GeoComSat 2A est conçu pour mener des missions de surveillance de la météorologie, alors que GeoComSat 2B surveillera l'environnement et les océans. Les données de GeoComSat 2A seront aussi utilisées pour composer des cartes pour le territoire coréen et étranger et surveiller les catastrophes naturelles de grande ampleur. Les 2 satellites sont construits dans les installations du CARI à Daejeon, en Corée du Sud. Encore un peu plus d'une minute à attendre avant la séparation. GeoComSat 2A sera le deuxième satellite du CARI à être lancé par Ariane Espace après le lancement réussi du satellite COMS en 2010. Le carnet de commandes d'Ariane Espace compte actuellement 2 autres satellites à lancer pour le CARI, GeoComSat 2B sur une Ariane 5 l'an prochain et GeoComSat 7 sur la nouvelle Vega C. Prévu pour 2021. C'est en septembre qu'Ariane Espace a annoncé qu'elle avait été retenue par le CARI pour lancer ComSat 7 à lancer sur la nouvelle Vega améliorée. ComSat 7 est un autre satellite d'observation terrestre, le 4e satellite du CARI et le 7e satellite coréen lancé par Ariane Espace, et ça en fait le 6e. Fin de la manœuvre en roulis. Vega, on attend maintenant la séparation du passager en position basse. Là encore, on attend avec autant de suspense. Et séparation GeoComSat 2A. C'est l'équipe GeoComSat qui exulte. Et enfin, la bonne nouvelle, vous avez entendu le tonnerre d'applaudissements de l'assistance ici à Jupiter. Ariane 5 a mis sur orbite son deuxième passager, GeoComSat 2A, au large de l'Afrique, comme GSAT 11, mais seulement un peu plus loin. Donc, on est passé de la concentration de tout à l'heure. On voit vraiment le changement d'atmosphère ici à Jupiter. Tout le monde est très content sur toute la base spatiale et à tous les endroits dont on pouvait suivre le lancement et les satellites. Mais le travail ne fait que commencer. En tout cas, il commencera bientôt sur les différentes stations sol où l'on surveillera les premières manœuvres des satellites. Nous attendons maintenant les traditionnels discours d'après la séparation. Vous entendrez Stéphane Israël d'Ariane Espace, le docteur Sivan de l'ISRO et le docteur Jinwoo Kim du CARI. Certaines de ces personnes sont assises du côté VIP de Jupiter, mais Stéphane Israël était dans le bocal et il nous rejoindra bientôt de ce côté de la vitre. Pendant qu'on attend, j'espère que l'on va bientôt pouvoir revoir une rediffusion du lancement, en tout cas la première rediffusion parmi plusieurs, pour revivre ces moments passionnants d'il y a un peu plus d'une demi-heure quand Ariane a décollé. Il y a plusieurs points d'observation ici sur la base. Et on reçoit des images de beaucoup de ces points, donc peut-être que l'on pourra voir d'autres angles dans les rediffusions. Là, on dirait que ça vient de Toucan, qui... Non, ça n'est pas Toucan, c'est une des caméras du Carnot qui est la plus proche du pas de tir. Stéphane Israël arrive au pupitre, c'est lui que vous entendez. Distinguished guests, Ariane Space is delighted to announce that GSAT 11 and GeoComSat 2A have been separated as planned on the targeted geostationary transfer orbits. For the last Ariane 5 launch of the year,
Our heavyweight vehicle has once more performed flawlessly. I really want to congratulate all of you. While international agencies are part of Arianespace DNA, tonight, I want to express my deepest gratitude to two very special partners since the beginning of their space ambition, ISRO and CARI. 37 years. 20 successful launches 37 ans, 21 lancements réussis et plus de 5 tonnes séparent le satellite Apple, lancé par Ariane 1, et GSAT 11, aujourd'hui, lancé par Ariane 5, ce soir. C'est donc notre 22e succès pour l'ISRO. Malgré toutes ces années de partenariat, nous réussissons encore à trouver des grandes premières. Comme GSAT 11 est le satellite le plus lourd construit par l'ISRO, c'est le premier à adopter la position de passager haut sur Ariane 5. Pour la mise sur orbite de ce satellite de pointe, j'aimerais féliciter l'ISRO et son président, le Dr Sivan, qui nous fait l'honneur de sa présence au CSG ce soir. Félicitations également au Dr Konikrishnan, qui est également avec nous ce soir. Je voudrais féliciter également l'ISRO pour la réussite récente des vols GSLV et PSLV. J'aimerais remercier l'ISRO pour sa confiance, réaffirmée en septembre avec GSAT 30 et GSAT 31 confiés à Ariane 5 pour deux lancements l'an prochain. Le président de l'ISRO est un très bon négociateur, donc lorsqu'il choisit une date de lancement, il faut vraiment que le lancement se fasse très rapidement. Il nous demande à ce que ça se fasse dans quelques semaines. Bon, ce n'est pas toujours possible, mais on lui demande un petit peu plus de temps. Et nous le remercions de sa confiance et vraiment nous vous remercions de nous avoir choisi encore une fois en complément des lanceurs indiens. Pour toute première, il y a également une dernière et je voudrais remercier Christophe Bardou, chef de projet Arianespace que vous avez vu à l'écran. Il est bien connu de nos amis indiens et il menait ce soir sa dernière mission en 38 ans de carrière chez Arianespace. Christophe a rejoint Arianespace il y a donc 38 ans, tout au début de l'aventure, en 1980. Maintenant, permettez-moi de remercier notre deuxième client ce soir, l'agence spatiale coréenne. Ce soir, après COMS 1 en 2010, c'était la deuxième fois que le CARI a confié un satellite à lancer à Arianespace. GEOCOMSAT 2A permettra d'améliorer les prévisions météo en Corée du Sud. À cet égard, je tiens à féliciter le CARI pour ce satellite de pointe, particulièrement le vice-président du CARI, Sangriol Lee, qui est présent avec nous ce soir à Jupiter. Félicitations également pour vos progrès sur KSLV-2, marqué par un essai en vol d'un moteur fusée suborbital réussi il y a quelques jours. J'aimerais également remercier le CARI pour les liens très forts que nous entretenons, comme l'illustrent les deux satellites qui figurent dans notre carnet de commandes, GEOCOMSAT 2B, que nous lancerons dans un an, depuis le CSG avec une Ariane 5, ainsi que COMSAT C, qui volera sur Vega C en 2021. Ce soir, c'était la septième fois que le drapeau sud-coréen apparaissait sur la coiffe d'un lanceur Arianespace, que ce soit pour le KAIST en 92 et 93. C'était le début des lancements de satellites pour la Corée avec KITSAT 1A et KITSAT 2. Et ensuite, les trois satellites que l'on a lancés pour KT-SAR. Un partenariat très fort avec Arianespace. Nous avons utilisé deux fois la station radar de l'île de Jeju pour des lancements. Et puis, pour plusieurs lancements, nous avons utilisé des composants de la Corée, ce qui n'est pas complètement habituel pour Arianespace, qui est une entreprise européenne, comme vous le savez. Avec ce dixième lancement de 2018 pour la connectivité et la météo, Arianespace est fidèle à sa devise ce soir, l'espace pour une vie meilleure sur Terre. Je voudrais féliciter tous nos partenaires qui ont joué un rôle dans le succès de ce soir. L'ESA, bien sûr, et tous les États membres du
programme Ariane, dont le soutien est essentiel. Ariane Group, maître d'œuvre d'Ariane 5 et principal actionnaire d'Ariane Espace, Ariane Group, comme vous le savez, se situe au Mureaux. Et j'en profite pour remercier François Garret, maire des Mureaux et président de la communauté des villes Ariane, partenaire d'Ariane Espace pour ce lancement. Merci François d'être ici ce soir. J'aimerais également remercier le CNES, l'autorité de conception d'Ariane 5, notre partenaire au quotidien ici au CSG, et nos sous-traitants en Guyane et tous les salariés de la base de lancement. Bien sûr, je tiens également à rendre hommage à mes collègues d'Ariane Espace pour ce récent succès. Pendant cette période chargée avec un lancement toutes les deux semaines, c'est vraiment impressionnant. Je voudrais maintenant donner la parole à nos clients et partenaires. Merci. Mes chers amis, bonsoir à tous. Six jours après une excellente mission de l'Inde, le lancement du lanceur PSLV avec un satellite pour l'Inde, aujourd'hui, l'Inde a accompli un exploit majeur, car c'est le 100e satellite à être construit par l'ISRO et c'est aussi le plus lourd, le plus gros et le satellite le plus perfectionné construit par l'Inde qui a réussi à être lancé par Ariane 5 ce soir. Le satellite GSAT-11 a 38 faisceaux SPOT ainsi que 8 faisceaux HUB qui couvrent tout le pays, y compris les zones les plus éloignées. Ce satellite sera l'actif spatial le plus riche pour l'Inde et il va apporter des services de liens de données à 16 gigabits par seconde. Et je dirais que ce satellite en particulier sera le troisième dans une série de 4 satellites prévus pour répondre au l'objectif ambitieux de l'Inde de 100 gigabits par seconde, un programme lancé par le gouvernement indien. Avec ce satellite, on a innové dans la conception grâce à ce qu'ont fait les centres de design de l'ISRO. C'est un satellite qui fait presque deux fois plus en taille que le satellite précédent. Donc, je tiens à remercier toutes les équipes de l'ISRO pour avoir accompli cet exploit. C'est un véritable cadeau pour la population indienne dans le domaine des communications. Ces prochains jours, le satellite va passer par les différentes manœuvres de rehaussement d'orbite et déjà, les installations indiennes ont acquis les signaux du satellite et ces 5 prochains jours, les rehaussements d'orbite auront lieu en simultané avec le déploiement des panneaux solaires et de l'antenne. Ces 10 prochains jours, il y aura les essais des charges utiles et le satellite sera en service plus tard pour les utilisateurs. Pour cette magnifique réussite, pour cet exploit, encore une fois, je tiens à remercier et à complimenter mon équipe à l'ISRO qui a rendu tout cela possible grâce à ses efforts intenses. Je tiens à remercier en particulier Ariane Espace. Quand nous avons raté l'objectif de lancement du 25 mai, de mai 2015, grâce à notre bonne collaboration avec Ariane Espace, nous avons pu avoir ce créneau de lancement. Merci beaucoup à Ariane Espace pour sa relation avec nous. Je tiens aussi à adresser mes compliments et mes félicitations à nos co-passagers GEOCOMSAT pour une mission magnifique ainsi que pour leur future mission en exploitation. Merci. Bonsoir à tous. Je suis le directeur du département sciences et technologies du ministère des sciences et des technologies de l'information en Corée. Tout d'abord, je voudrais remercier Ariane Espace, le CNES et l'ESA
Et je voudrais les féliciter pour ce 102e lancement d'une Ariane 5. Notre satellite GEOCOMSAT 2A a été conçu pendant plus de 7 ans par de très nombreux chercheurs du CARI et des entreprises et des universités. Il a été soutenu par le gouvernement afin de fournir des données et des observations météo pour les citoyens coréens. Le lancement de ce soir marque une grande date pour GEOCOMSAT 2A et le démarrage de ces services météo. La semaine dernière, un prototype coréen a volé à plus de 200 km d'altitude et un petit satellite de 100 kg a été lancé avec succès. Et aujourd'hui, nous avons lancé ce satellite GEOCOMSAT 2A. Je pense que les citoyens coréens peuvent être très heureux et peuvent voir ainsi que notre pays atteint un niveau très élevé de développement spatial. Et j'espère que ce succès va encourager notre motivation ainsi que la recherche et l'investissement dans le secteur spatial. Merci pour ce lancement fantastique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous reviendrons au CSG avant la fin de l'année pour le dernier lancement de l'année. Ce sera notre 11e lancement et ce sera pour le CNES et la DGA avec un lanceur Soyouz pour le satellite d'observation terrestre CSO-1. Merci encore et maintenant, bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tous. Donc, une soirée passionnante, vous ne trouvez pas? Un lancement parfait. Nous sommes ravis que vous ayez pu partager l'exaltation avec nous. Nous voulions aussi vous montrer cet endroit. C'est la régie de la vidéotransmission Ariane. On n'est jamais venu ici. On est un étage en dessous du centre de contrôle Jupiter où nous étions il y a un instant. Et là, vous voyez notre équipe de choc, de professionnels de la télévision qui vous apporte les derniers sons et images de la mission de ce soir. On va essayer de ne pas trop les déranger. C'est grâce à eux que vous avez vu Ariane 5 réussir à mettre sur orbite GSAT-11 et GEOCOMSAT 2A, ces deux nouveaux satellites qui sont en route vers leur position orbitale définitive. Et dans quelques semaines, ils apporteront des services à des particuliers, des entreprises dans toute l'Asie. Et maintenant, si vous pouvez me suivre, on ne va pas très loin, quelques pas simplement, nous allons voir notre réalisateur. Il est ici, ce sémillant jeune homme, François. Bonsoir François, il est trop occupé pour me parler, mais il m'entend. François, nous souhaitons dire au revoir. La VT est terminée. Est-ce que vous pouvez envoyer la dernière rediffusion? Et c'est parti. Ariane Espace est un partenaire de longue date des deux agences spatiales. Le dernier lancement de l'année aura lieu avec Soyouz. Ariane et Vega reviendront l'an prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous au nom de tout le monde au port spatial de l'Europe avec l'équipe VT. Nous souhaitons vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir regardé. On espère vous retrouver la prochaine fois. Au revoir à tous. We'll be right back.
et décollage.